C'est à vous que je m'adresse pour vous écrire une des plus fâcheuses pertes qui peut arriver en France. C'est la mort de Monsieur de Duren, dont je suis assuré que vous serez aussi touché et aussi désolé que nous le sommes ici. Cette nouvelle arriva lundi à Versailles. Le roi en a été affligé comme on doit l'être, de la mort du plus grand capitaine et du plus honnête homme du monde. Toute la cour fut en larmes, et Monsieur de Condon pensa s'évanouir. On était prêt d'aller se divertir à Fontainebleau. Tout a été rompu. Jamais un homme n'a été regretté si sincèrement. Tout ce quartier où il a été logé, et tout Paris, et tout le peuple, étaient dans le trouble et l'émotion. Chacun parlait et s'attroupait pour regretter ce héros. Je vous envoie une très bonne relation de ce qu'il a fait avant sa mort. C'est après 3 mois d'une conduite miraculeuse, et que les gens du métier ne se lassent point d'admirer, qu'arrive le dernier jour de sa gloire et de sa vie. Il monta à cheval le samedi, à 2 heures. Après avoir mangé, et comme il avait bien des gens avec lui, il les laissa tous, à 30 pas de la hauteur où il voulait aller, et dit au petit Delbeuf, « Mon neveu, demeurez là. Vous ne faites que tourner autour de moi. Vous me feriez reconnaître. » Monsieur d'Hamilton, qui se trouva près de l'endroit où il allait, lui dit, « Monsieur, venez par ici. On tire du côté où vous allez. Monsieur, lui dit-il, vous avez raison. Je ne veux point du tout être tué aujourd'hui. Ce sera le mieux du monde. » Il eut à peine tourné son cheval qu'il aperçut Saint-Hilaire, le chapeau à la main, qui lui dit, « Monsieur, jetez les yeux sur cette batterie que je viens de faire placer là. » Monsieur de Turenne revint, et dans l'instant sans être arrêté, il eut le bras et le corps fracassés du même coup, qui emporta le bras et la main qui tenait le chapeau de Saint-Hilaire. Ce gentilhomme, qui le regardait toujours, ne le voit point tomber. Le cheval l'emporte où il avait laissé le petit Elbeuf. Il n'était point encore tombé, mais il était penché le nez sur l'arçon. En ce moment, le cheval s'arrête. Le héros tombe dans les bras de ses gens. Il ouvre 2 fois 2 grands yeux et la bouche. Il demeure tranquille, pour jamais. Songez qu'il était mort et qu'il avait une partie du cœur emportée. On lui a fait un service militaire dans le camp, où les larmes et les cris faisaient le véritable deuil. Tous les officiers avaient pourtant des écharpes de crêpe. Tous les tambours en étaient couverts. Ils ne battaient qu'un coup. Les piques traînantes et les mousquets renversés, mais ces cris de toute une armée ne se peuvent pas représenter sans que l'on soit tout ému. Ses 2 neveux étaient à cette pompe, dans l'état que vous devez penser. Monsieur de Roy, tout blessé, s'y fit porter, car cette messe ne fut dite que quand ils eurent repassé le Rhin. Je pense que le pauvre chevalier de Grignan était bien abîmé de douleur. Quand ce corps a quitté son armée, ça a été encore une autre désolation. Et partout où il a passé, on s'entendait que des clameurs, mais à Langres, ils se sont surpassés. Ils allèrent au-devant de lui, en habit de deuil, au nombre de plus de 200. Suivi du peuple, tout le clergé en cérémonie, il y eut un service solennel dans la ville, et en un moment, ils se cotisèrent tous pour cette dépense qui monta à 5000 francs, parce qu'ils reconduisirent le corps jusqu'à la première ville et voulurent défrayer tout le train. Que dites-vous de ces marques naturelles d'une affection fondée sur un mérite extraordinaire? Il arrive à Saint-Denis, ce soir ou demain. Tous ces gens l'allaient reprendre à 2 lieues d'ici. Il sera dans une chapelle en dépôt, on lui fera un service à Saint-Denis, en attendant celui de Notre-Dame, qui sera solennel. Si vous aussi vous avez apprécié cette vidéo et si vous pensez comme Napoléon, l'histoire est un mensonge que personne ne conteste. Je vous invite à laisser votre avis, liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et pourquoi pas partager cette vidéo. Merci.